Bonjour à tous, je suis votre fidèle présentateur Quentin Formation. Dans ce journal, nous allons parler du 47e festival de la BD d'Angoulême, d'une famille qui a réussi à survivre 34 jours dans la jungle et les fameuses soldes d'hiver. Cette année, c'était le 47e festival de la BD d'Angoulême. Le prix du meilleur album a récompensé la BD Révolution de Florent Groazel et Young Locard. Tout de suite, nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Laura Scoop. Oui, Quentin, malheureusement, je n'ai pas pu trouver les auteurs de l'album récompensé et du coup, je suis avec un autre auteur non récompensé mais certainement très talentueux. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Hergy. Très bien, monsieur Hergy. Et votre histoire, elle raconte quoi? C'est Toto chez le pharmacien. Il va voir le pharmacien et il lui demande: monsieur, je peux avoir une brosse à dents? Oui, avec ça. Bah, avec ça, je me brosse les dents. Ah, elle est bonne! D'accord, mais c'est quoi votre histoire drôle, mais l'histoire de votre BD? L'histoire de ma BD? Mais ici, on n'est pas au festival des histoires drôles. Non. Ok. Bon, bah, en fait, je me suis trompée de ville et je pense que là, je suis bien en retard. Ouais, je suis en retard. Au revoir. Ok, c'était Laura Scoop. À vous, les studios. À présent, nous allons parler d'une famille qui s'est perdue 34 jours dans la jungle et qui a réussi à survivre. C'était la frontière entre la Colombie et le Pérou. La mère colombienne était avec ses 3 enfants d'une dizaine d'années. Ils ont survécu en mangeant des baies et des graines. Et ils ont finalement été sauvés par des indigènes. Sur place, nous retrouvons Jonathan et Jaune. Oui, Quentin. Nous sommes avec la mère de famille rescapée et un de ses enfants. Tout de suite, regardons une vidéo filmée par un de ses autres enfants avec son smartphone. Maman, il y a mangé dans la jungle? Oui, mon garçon. Et c'est quoi? C'est nous. Pour les animaux! Non, non! Et vous avez survécu comme ça? Ok. À vous, les studios. Pour terminer, nous allons parler des soldes d'hiver 2020. Cette année, elles n'ont duré que 4 semaines au lieu de 6 par le passé. C'est un arrêté du 27 mai 2019 qui a fixé cette nouvelle règle. Il a aussi défini les dates et les heures des soldes, prévues pour le mercredi 8 janvier 2020 au mardi 4 février 2020. En direct d'un grand magasin, nous retrouvons notre reporter Gilles et Jaune. Bonjour Quentin. Je suis en direct d'un centre commercial où une émeute a éclaté. Malgré la violence, nous avons réussi à nous approcher. Bonjour monsieur, que s'est-il passé ici? Il y a eu une émeute, car une bouteille était à 99% de réduction. Et vous l'avez eu? Moi, j'ai réussi à l'acheter. Mais en fait, il y a encore des gens qui se battent parce qu'ils croient qu'elle est toujours en hausse. Ils pensent que la bouteille est dangereusement là-bas. Bah ouais. Donc, d'accord, à vous les studios. Voilà ce qu'on peut appeler un reportage de choc. Merci Gilles, c'était la fin de ce journal. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester informé. Au revoir.